Bonjour tout le monde. Comme promis, j'avais dit que j'allais faire un meeting Street Pass soit le 23 ou le 24 avril. Ben là, c'est fait aujourd'hui. Et au total, j'ai reçu 15 Street Pass, dont 9 mis au Home Depot avec 5 Street Pass jeu. Bon, ok, ça c'est les trois derniers mis que j'ai reçus. Le dernier mis que j'ai reçu vient des promenades Saint-Bruno. Et pour le Home Depot, ben c'est ça, j'ai reçu 9 mis, dont les 7 que vous n'avez pas vus, que je vais vous montrer. Bon, ok, là j'ai reçu ça, j'ai reçu un Street Pass Mario Kart 7, un Super Mario 3D Land, un Super Smash Bros. Que je vais laisser de côté pour le moment, et deux Street Pass de Pokémon Shuffle. Et étonnamment soit-il, je n'ai reçu aucun Street Pass sur Pokémon Rumble World. Alors qu'habituellement, j'en reçois toujours un petit peu plus que Pokémon Shuffle. Bon, ben maintenant, je vais vous présenter mes Street Pass jeux pour le 23 avril. On va commencer par Pokémon Shuffle, puisque j'y suis déjà. Bon, ok. Bon, il y a de bonnes chances que ce soit Soralis et Speedy que je vais recevoir comme Street Pass. J'ai croisé deux personnes qui me font de 398 Street Pass. J'ai croisé un joueur pour la première fois depuis longtemps. Je reçois deux cœurs comme à l'habituel. Vu que mes derniers Street Pass remontent il y a voilà 2 semaines. Et pour mon temps de jeu, a dépassé 495 heures de jeu. Niveau réussi, 388. Puis Pokémon capturé, je suis maintenant rendu à 500. Rencontre Street Pass, c'est sur 398. Et record du Poké Circuit, 18. Oups. Attendez, j'ai oublié quelque chose. Oups, non, c'est pas ça. Bon, rencontre Street Pass. Speedy, comme que je l'avais prédit. Rencontré à midi et demi. 63 heures et 35 minutes de jeu. Rencontre Street Pass, 129. Niveau réussi, 180. Pokémon capturé, 139. Je crois qu'il n'y a rien d'échangé ici. Ah, c'est 7 cette fois-ci. Bon, ok, lui c'est 11 Street Pass. Je pense que ça n'a pas changé non plus. Depuis 2 semaines. Maintenant, alors sur Mario Kart 7. Un Street Pass. Oh, excusez-moi pour l'interruption. Ah, c'est Blue aujourd'hui. Ah, c'est la première fois que je rencontre son Mi à lui. Mais bizarrement, j'ai reçu un super par lui. Qui veut dire que lui m'a reçu deux fois. Puis il y en a aussi un autre qui se nomme Sarah. M'a aussi donné un super. Et ça, c'est ma première rencontre avec ce Mi-là. Mais j'ai quand même reçu, ils m'ont donné deux mentions au super. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'eux autres, ils m'ont croisé deux fois. Mais moi, j'ai dit, mais c'est la première fois que je les reçois. Fait que, ça veut dire que le délai de temps des Street Pass n'est pas toujours la même. Je vais vous montrer ça tantôt. Bon, ok, nombre de PC. Ah oh ben, ça fait longtemps que j'ai pas reçu une personne qui a au-dessus de 10 000 PC. 15 068. Nombre de victoires. 5133, défaite 4801, pièce 17743, et lui il est rendu à 2092 Street Pass, ce qui est énorme. Moi je pense que ça doit être l'un des premiers que j'ai reçu pour Mario Kart 7 qui a au-dessus de 2000 Street Pass. Je pense que ça doit être le tout premier. Et moi ça me fait mon 716e Street Pass.
Aïe, c'est beaucoup quand même. Faut-tu te mettre sur les faces? C'est rare, félicitations. Bon, maintenant, allons voir le tripage que j'ai reçu pour Super Mario 3D Land. Et pour celui-là de Smash Bros. 3DS, je vais attendre que j'ai reçu 3 Street Pass pour vous le montrer. Pour respecter ma moyenne de 3 KO par match. Il est dans le 1. Et c'est Sarah. Bon, voilà, c'est tout pour mes Street Pass au 23 avril. On se rejoindra pour mes Street Pass mis dans une prochaine vidéo.